Et salut, salut, bienvenue sur Another Homepage. J'espère que vous allez bien. Comme toujours, c'est Nils, on se retrouve pour un nouvel épisode. On va démarrer une nouvelle saga. Salut à toi, Adrien, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé un bon week-end. Et je vais tout de suite en profiter pour te faire le shootout, vu que tu es en plus le premier à débarquer ce soir. Petit shootout à l'ami Adrien de la chaîne Linux Tricks. Salut à toi, Isoft, j'espère que ça va. Bon, ici ça a été un petit peu la bourre, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Enfin non, presque comme d'habitude, parce que bon, la dernière fois on a démarré à l'heure. Mais après, pour celles et ceux qui se rappellent et qui étaient là lors du stream de la fois précédente, aujourd'hui c'était un peu le stream de Schrödinger, c'est-à-dire que je savais pas trop si j'allais pouvoir streamer ou pas. Et donc finalement, bah, le chat Schrödinger est vivant, puisque je suis là. Je disais pas qu'il allait y avoir une histoire de chat, hein. Vous connaissez l'histoire. Bon bah ça c'est cool si ça va bien, Isoft. Salut à l'armoire enfin. Tu entends? On te dit bonjour. Ah là là. Bien. Je sais pas si beaucoup d'entre vous ont vu le message sur les réseaux sociaux pour la petite devinette. J'ai essayé d'en faire une cette fois-ci, j'avais pas d'inspiration les fois précédentes. Cette fois-ci, je me suis dit, tiens, on va tenter un truc un peu drôle. Est-ce qu'on a du pain sur la planche aujourd'hui? Ouais, ouais, on va avoir du pain sur la planche. On va avoir du pain sur la planche, parce que je vais vouloir réaborder un sujet sur lequel je me suis cassé les dents pendant plusieurs semaines. Je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Et comme je vous l'avais de toute façon plus ou moins annoncé lors des streams précédents qui étaient eux beaucoup plus axés sur le Labas Code, et bien cette fois-ci, on va essayer de t'y remettre. Je voudrais vraiment réussir à mettre en place un cluster Kubernetes et mettre un ou deux trucs dessus. Pour pouvoir ensuite potentiellement tout casser, tout refaire, essayer de comprendre un peu comment ça marche. C'est vraiment l'idée, hein. L'idée ça va être auto-formation Kubernetes à terme. Est-ce que je connais un baston à part téléport et guacamole? Non. Non. Honnêtement, non. À part faire soi-même une machine avec juste OpenSSH et la durcir. Non. Éventuellement, dans les produits commerciaux, il y avait Walix, mais j'ai jamais essayé. Guacamole, j'ai jamais essayé d'ailleurs. Et téléporte un petit peu. Mais de loin et dans le brouillard. L'idée, en fait, c'est que. Bon, j'annonce tout de suite la couleur, je suis pas un expert Kubernetes. Je vais, et je pense qu'on l'a vu hein, lors des derniers streams, même en Labas Code, je suis là pour apprendre autant que vous. Donc je ne me pose pas forcément en sachant, mais plutôt en volonté de partage. Et le partage, bah, ça va dans les deux sens. Bonne question. Bah tiens, ça va permettre de commencer un peu direct dans le vif du sujet. Alors, déjà, si je peux passer sur un truc que j'aime bien quand on va sur Wikipédia déjà. Alors, je vais vous demander 2 minutes. Je vais répondre à ta question, hein, Adrien. Hop. Parce que ça va permettre de démarrer. Hop. Tac. Tac. Allez, on va passer comme. Non, pas comme ça. Hop. Comme ça. Voilà. Alors, je vais vous linker la page Wikipédia sur la virtualisation que j'aime beaucoup, même en français. Parce qu'il y a des petits schémas assez sympas. Et dans les petits schémas assez sympas, si jamais on va regarder
par exemple les hyperviseurs, comme par exemple celui de type 1, hop, donc qui est le cas de figure donc de Hyper-V ou de ESX visiblement, ou non, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, XCPNG, VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, ou dans une certaine figure KVM, effectivement. Vous voyez que là, on a le matériel, on a un hyperviseur, et ensuite, on va avoir un OS privilégié, et on va avoir nos OS invités avec leur pilote. Donc ça, c'est de la virtualisation. On peut voir aussi que dans d'autres cas de figure, et c'est un peu plus le cas quand on utilise KVM sur un QMU KVM sur un PC classique, c'est qu'on va avoir notre matériel, notre OS hôte avec ce genre de choses là, l'émulateur et alors par contre ce qui est marrant c'est que eux ils vont plutôt parler de virtual PC, de VirtualBox, des VMware Fusion Player, Workstation. Je pense qu'on a un expert ici en produits VMware gratuits maintenant. Ou effectivement QEMU, qui permet de faire de l'émulation avec l'accélération KVM. Je vais plutôt prendre celui-là. Là, on a de la virtualisation. Et puis, on peut avoir de la conteneurisation. Et alors, la conteneurisation, le principe, c'est qu'on reste sur le même noyau. C'est-à-dire que là, typiquement, si je me mets ici et que je fais un uname-a, donc là, je suis sur une machine Fedora avec un kernel Fedora. Et si je lance un conteneur, un podman run-it et on va faire Debian, hop. Debian slash bin bash. Ça devrait passer. Tac. Hop. Donc là, il est en train. J'ai lancé directement un podman run parce que j'avais la flemme de faire le pool et ainsi de suite. Donc il est allé rechercher la dernière version du conteneur. Donc là, je suis maintenant dans un conteneur Debian. Et si je fais. 4 de etc Debian version, on voit que j'ai une Debian 12.5 et si je fais un uname -a, on peut voir que je suis effectivement toujours sur mon kernel Fedora l'idée c'est que quand vous faites du conteneur, vous partagez le noyau de la machine hôte. Mais ça ne veut pas dire que la machine hôte doit être obligatoirement du bare metal. Donc, on peut faire du conteneur dans de la VM. Et j'en veux pour preuve, ce que je peux vous montrer aussi comme... Ce que je peux vous montrer, par exemple, c'est d'aller me connecter sur ma machine apart pod. Tac. Qui est une VM. Comment est-ce que je peux vous montrer ça? Si je vais sur apart testbox, tac, sudo -sh list, là j'ai une machine apart pod et une machine apart pod 2 qui tournent, ok, sudo -sh console, allez, tac, apart pod, si elle veut bien. Ah, je lui ai pas mis la console locale? Fichtre. Bon, c'est pas grave. Hop, je vais me reconnecter dessus en SSH. Puis dans une VM. Et si je fais un podman ps, hop, j'ai des conteneurs. Et j'ai surtout un pod Omar et un pod Uptime Kuma. Voilà. Si tu as des VLAN et une grosse infra, on met pas ça dans des VM. Si. Ça dépend. J'ai envie de dire, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis comment tu goals ton infra. Tu peux te dire que tu as une infra physique et où tu te dis, j'ai pas envie
J'ai pas envie d'avoir comment dire, j'ai pas envie d'avoir une couche d'abstraction entre mes conteneurs et mon bare metal, ce qui te permet par exemple, peut-être de plus facilement aller t'interfacer avec du hardware au hasard des GPU. Mais avec une VM, de toute façon, tu peux toujours faire du comment dire du PCI pass-through. Ceci étant dit, tu peux aussi envisager, si tu n'as pas une utilisation GPU et que tu veux garder une certaine facilité de gestion de ton parc, notamment tu poses tes VM, genre tu as un hyperviseur avec 4000 VM dedans, dont des conteneurs, et tu veux pouvoir, par exemple, sans avoir à tout redémarrer, faire des live migrates pour pouvoir ensuite faire tes maintenances matérielles comme tu le veux, c'est possible aussi. D'ailleurs, dans l'absolu, on peut aussi faire pareil directement avec les conteneurs. Après, c'est une affaire de choix. Tu peux aussi te dire que de toute façon, tu es sur, par exemple, sur une plateforme cloud publique, donc là, tu n'as pas le choix. Enfin, tu n'as pas le choix. Si, parce que Amazon et Google, à ma connaissance, proposent des machines bare metal, mais ça reste toujours via leur portail. Mais généralement, tu vas pas forcément avoir des besoins de compute au début qui sont délirants, et tu peux rester sur de la VM. Donc tu sais, c'est vraiment une affaire de choix, en fait. Tu connais Radar et Sonar, et Omar, ça sert à quoi? Omar, c'est juste un dashboard. Je peux aller voir sur... qu'est-ce que j'ai fait de celui-ci? Hop. S'il veut bien s'afficher. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé comme message? On revient un instant. Téléporte, je suis pas très fan d'ouvrir un terminal dans une page web. De mon expérience, ce n'est pas obligatoire. J'ai utilisé Téléporte sans avoir à ouvrir un terminal dans une page web. Tu as un client qui s'appelle TSH que tu peux installer sur ta machine et tu peux faire TSH, SSH, ta bécane. Hop, voilà, omar.dev. Et voilà, c'est juste du dashboard. Hop, il y a une petite démo normalement. Salut à Tom, Nemeto. J'espère que tu vas bien. Et Adrien qui nous parle de LXEC. Tu ne le fais pas dans des VM, ok. Le matos qui fait tourner ça dessus, c'est du physique, oui, c'est complètement valide. Mais j'ai vu des dockers dans des VM, des bof. Donc Kubernetes, ça semble tellement complet que je vois pas ça tourner dans des VM. Moi, j'ai vu Kubernetes tourner dans des VM. Et donc, c'est pas, je sais pas si c'est ma. Voilà, welcome to Omar. Bon, il dit update, mais. Ouais, bon, j'ai pas envie de lancer la démo juste pour. Ce que je dois pouvoir faire par contre, c'est que je dois pouvoir vous montrer mon. Ouais, non, je vais pas vous montrer le mien. Il y a des trucs que j'ai pas forcément envie de montrer. Mais ça pourrait être l'occasion de démarrer un conteneur Omar en faisant du Kubernetes. Mais voilà, c'est plus un dashboard qu'autre chose. Pas de lien avec le téléchargement d'ISO Linux, non. Non. Mais pareil, hein, LXEC, tu peux en faire sur des VM, mais tu peux en faire aussi sur du bare metal, donc ça tu sais. Mais voire même, tu peux faire du Docker ou du Podman dans du LXEC. Genre, par exemple, j'ai déjà vu des gens. Je sais pas si vous vous rappelez. Justement, exactement, Ubisoft. J'ai déjà vu des gens, par exemple, installer Proxmox, par exemple, pour du Homelab, et utiliser notamment les scripts Proxmox. Il y a un truc là, les helper scripts, je sais pas si vous connaissez, et installer grâce à ça un CasaOS dans un conteneur LXC Debian. Vous vous rappelez, on a joué avec CasaOS il y a ça un petit moment déjà. Quand même que maintenant le live sur CasaOS est dispo sur ma chaîne YouTube. L'occasion d'ailleurs de faire une petite auto-promotion. N'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne YouTube. Je suis pas encore rodé hein, sur le petit sur le petit sur le, sur, comment dire sur l'auto-promotion éhontée pour vous encourager à ça. Et ensuite, effectivement. Nemeto, tu as raison, c'est pas forcément recommandé parce qu'effectivement, il faut faire quelques bidouilles. Mais CasaOS, en fait, les applications dans CasaOS, c'est tout du conteneur Docker.
et donc les gens font un LXC Casa OS et derrière rajoutent Docker ou pop une VM avec un template. Donc, à partir de là, à quoi sert Kubernetes ? Eh ben, j'ai envie de dire que Kubernetes va servir pour nos conteneurs ce que vSphere ou OpenStack peut servir pour nos machines virtuelles. C'est-à-dire, ça va être pour faire de l'orchestration et du déploiement plus ou moins à grande échelle. Mais vraiment de l'orchestration. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir définir un certain nombre de choses. On va pouvoir faire de la segmentation réseau, on va pouvoir faire de l'allocation de ressources. Donc de la même façon qu'on attribue, je ne sais pas moi, un vCPU et 2 gigs de RAM à une VM, on peut dire à notre conteneur ne dépasse pas tant et si jamais il dépasse, drama ensues. Tu as déjà fait tourner Docker dans les LXC non privilégiés sur Proxmox sans problème pendant des années. Oui, non, mais si ça se trouve, c'est que c'est pas recommandé parce que peut-être que le setup n'a pas été testé en mode prod ready. Et il y a peut-être des trucs qui peuvent casser dont ils sont pas sûrs. Les gens de chez les gens qui font qui par exemple font Proxmox, ils ont peut-être pas envie d'avoir un cas de figure un peu tordu comme ça. C'est peut-être tout simplement ça. J'ai envie de dire, c'est comme si tu prends OpenVPN et qu'au lieu d'utiliser le driver tune, tu utilises le driver tap. Dans l'absolu, c'est possible, mais honnêtement, je te décourage de le faire. Et pour l'avoir, pour en avoir vu dans une entreprise, je suis content que dans cette entreprise à cette époque, à un moment, on ait dit bon, on arrête les bêtises, on va revenir en mode tune. Il y avait un historique pour être en mode tap, il y avait des raisons, et en fait on a fait disparaître ces raisons, et ensuite on s'est dit bah ça sert à rien de garder le tap, donc passons en tune. Mais voilà, c'est possible, mais ça veut pas dire que c'est une bonne idée. Bref, je sais pas s'il y a un truc sur... Hey, salut à toi, guess what? J'espère que ça va. Je sais pas si il y a des schémas sur la page Wikipédia de Kubernetes. Tac. Logiciel de gestion de conteneurs, voilà, en cluster. Il y a un petit schéma sympa. Tac. Ouais, bon, ça c'est un petit peu. Schéma simplifié, tac, tac, tac. Celui-là, il est là-haut. Ouais, ça c'est comment les pods. Ok. Hop. Bref, toujours est-il que l'idée, voilà, ça va être de pouvoir quelque part avoir un moyen de déployer. Du conteneur, voire même plusieurs, enfin, ouais, un moyen de déployer du conteneur sur plusieurs machines, physiques ou virtuelles, et de pouvoir gérer les cas de figure du genre on a un de nos nœuds qui crache, comment on gère le reste. Donc on est vraiment dans de l'orchestration. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire exactement? Comment ça va se passer ces différents lives sur Kubernetes. Normalement aujourd'hui on va essayer de mettre en place un premier cluster. On n'ira, je pense, pas beaucoup plus loin si on arrive au bout. L'idée ça va être de mettre en place un truc assez simple et à partir de là on va itérer. Et je vais me baser sur un truc que j'aime bien, ce sont des tutos qui sont sur un site qui s'appelle Serverworld. Donc je ne vais pas réinventer la roue. Je sais qu'il n'y a pas forcément énormément d'explications. C'est assez succinct, mais justement, j'aime bien. Et ensuite, on verra, on essaiera de creuser, de comprendre certains trucs, comment ça marche, si ce n'est pas forcément bien expliqué. Mais dans l'immédiat, moi, ce que j'aimerais, c'est, premier objectif sur cette saga consacrée à Kubernetes, ça va être de faire les 14 étapes du tuto. Et à partir du moment où j'aurai fait ces 14 étapes, je pense que j'aurai acquis assez de confiance pour pouvoir essayer de faire des trucs un peu plus poussés. Typiquement, alors je vais déjà vous envoyer au moins le lien vers la première étape. Et ce qu'on peut voir, c'est que déjà, enfin, j'aime bien, il fait ses schémas un peu en ASCII art. Hop, si ça veut bien rester là. Et vous voyez que là, par exemple, on a trois nœuds. On a trois nœuds, on a ce qu'on appelle un control plane
et de worker nodes. Et vous remarquerez, pour celles et ceux qui ont suivi depuis ces derniers 5 ou 6 derniers lives, si jamais je reviens ici et que je vais notamment dans mon aperçu de machine virtuelle sur mon home lab, s'il veut bien, voilà, vous remarquerez qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 control planes et de 10 à... Non, ça c'est les Fedora, hop, et de 30 à 39 worker nodes. Donc on a une dizaine de worker nodes. L'idée c'est que potentiellement si on veut faire plusieurs clusters, on peut. Ou alors si on veut avoir plusieurs control planes et encore plus de worker nodes que ce qui est indiqué dans le tuto, on pourra se le permettre. Et j'aimerais bien à un moment essayer plusieurs choses. Bien, ceci étant vu, je vous propose qu'on s'y mette. Parce que bon, ça fait déjà 23 minutes que ça papote. Va falloir faire maintenant. Mais on peut continuer de papoter, hein, je tiens à préciser. Alors, donc, System Requirements, chaque nœud a un hostname unique, ça c'est bon, une adresse MAC unique et un UID product. Alors, ça, DMI decode-S, System UID. Ok, why not? Ce que je vais peut-être faire pour me faciliter l'existence. J'ai un apart stream normalement. Tac. On a les home lab. Donc si je commence par faire un premier truc, hop. Et que je fais un home lab, hop, on avait dit contrôle 20, hop. Contrôle 20. Tac. Ah, je sais même plus si je viens sur moi, je suis route. Tac, non, une fois. Hop. DMI décode, commande 9. Ouais, bah allez. Je peux faire un update d'abord. Et si je tente sur le 21, juste pour le principe, pour vérifier. Tac. Alors, pendant ce temps, ça correspond au slash etc slash machine ID. Peut-être, on va vérifier ça. Si je fais un sudo DMI décode, et il disait quoi? Moins S, système UID. Moins S, système UID. Tac. Mais du coup, j'ai pas fait gaffe. B4FC, ah oui d'accord, ouais ça correspond effectivement. Mais est-ce que j'ai la même chose de mon côté 2E0FC? Donc effectivement, ça c'est pas les mêmes, donc ça c'est bon. Ça valait quand même le coup de vérifier, étant donné qu'on a quand même déployé de la VM à grand coup d'image cloud déjà préexistant, donc hein, ça valait le coup de vérifier. Ensuite, pour ce qui est de l'installation des logiciels. Donc là, on est vraiment dans les prérequis. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, on s'était assez amusé avec pas mal de choses au niveau du Cloud Init. Donc on a déjà un certain nombre des dépendances, pour pas dire même toutes, qui sont déjà installées. Donc, c'est justement pour se faciliter l'existence en cas de crash et recréation de VM. Donc ça, normalement, containerd, IP table, machin, si je retourne sur... je vais peut-être me remettre sur CTRL 20. Tac. DPKG-list.
On avait dit quoi? Container Day, IP table. Container Day, ça c'est bon. IP table, ça c'est bon. Bref, je vais pas tous les faire. Ça, normalement, on l'a aussi. Tac. Normalement, voilà, tout ça c'est fait. Alors, en gros, de ma compréhension, hein, de ce que j'ai eu l'occasion d'expérimenter avant ce live, sur à d'autres occasions, en gros, ce qui se passe, c'est que pour le moment, quand on fait du Kubernetes, quand on installe Kubernetes, les systèmes qui permettent de gérer tout ce qui est réseau sont encore très dépendants des briques de firewall du noyau Linux. Et on a aujourd'hui deux interfaces utilisateurs en parallèle pour gérer la brique de filtrage du noyau Linux qui s'appelle NetFilter. Et il y en a deux. Le premier, c'est IPTables, et le deuxième, c'est NFTables. IPTables, c'est l'outil historique qui a été introduit avec le noyau Linux version 2.4, s'il vous plaît. Alors, techniquement 2.3.x, mais c'était la branche de développement. Donc, il a fait vraiment sa grande arrivée dans le noyau Linux en version stable, dans le noyau Linux 2.4. Et NFTables, alors je ne sais plus quand est-ce qu'il est arrivé dans le noyau Linux, mais forcément, ça fait beaucoup moins longtemps. Bien entendu, si jamais vous installez des systèmes aujourd'hui, des nouveaux systèmes, dans l'absolu, il est préférable de se baser sur la brique nouvelle génération, enfin pas sur la brique, mais sur l'interface utilisateur nouvelle génération. Mais bah, vous savez ce que c'est, hein, avec l'existant à faire tourner, la prod, ce genre de choses-là, on ne peut pas comme ça, d'un claquement de doigts, passer de IPTables à NFTables. Même si, par exemple, pour celles et ceux qui font, par exemple, de la Red Hat ou de la CentOS, vous n'allez pas forcément utiliser IPTables ou NFTables en direct. Vous allez plutôt utiliser FirewallD, qui est le front-end, on va dire, créé pour les environnements Red Hat à l'origine, mais qui sont utilisables ailleurs, hein, sous Debian aussi d'ailleurs. Et FirewallD, au début utilisé par défaut IPTables, et puis est passé à NFTables. Donc aujourd'hui, si vous avez par exemple une Fedora, une CentOS, une RHEL, si vous installez FirewallD, par défaut vous serez en NFTables. Et par défaut, c'est UFW sur Ubuntu. Ok. Merci énormément à Fixoulab avec son raid et ses 8 personnes. Bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien amusés chez Fixoulab. Merci énormément pour le raid. En plus, il en rajoute une couche. Il s'éclate vraiment jusqu'au bout, le Fixou. Il resub pour un mois. Merci énormément à toi, Fixou, pour le raid et pour le resub. Ça fait super plaisir. J'espère que vous êtes bien amusés chez Fixoulab. N'hésite pas à me raconter ce que vous faisiez. Hein, c'est vrai que j'ai pas forcément le temps de passer... En fait, j'ai le temps de voir personne en ce moment en live, mais promis, je vais essayer de faire des efforts. Bien entendu, petit shoot-out à l'ami Fixoulab, je vous invite à le follow. Hop. Vous avez rebillé un GPU. Oh, vous avez sorti le fer à souder, ou t'as fait ça genre au fou, ou... Il va falloir que j'aille regarder le replay, alors. Hop, c'est classe. C'est classe, offert. C'est classe. Pour l'anecdote, fort heureusement, j'ai eu du bol, entre guillemets, mais j'ai eu une machine, un ordinateur portable, avec un problème de GPU où il aurait probablement fallu le rebiller. Pour l'anecdote, la carte graphique qui est dans ce laptop, c'est la GeForce 8600 GT mobile. Je sais pas si ça parle à des gens, mais ça a été une vraie plaie pour Nvidia sur ce modèle-là, et je crois sur d'autres modèles, puisqu'ils ont dû faire des rappels massifs d'ordinateurs, ils ont dû remplacer pas mal de cartes mères à cause justement de défauts de soudure. Et j'ai bénéficié d'un remplacement de carte mère quand j'ai eu le problème à mon tour.
où carrément bah, la carte graphique avait, avait entre guillemets rendu l'âme. Enfin, en réalité, c'est les soudures qui étaient plus bonnes, donc il n'y avait plus le contact carte graphique sur, sur carte mère. Et fort heureusement, comment dire, le constructeur de l'ordinateur portable ayant des boutiques dans Paris, une fois que c'était arrivé, j'ai pu bénéficier de, d'un passage en boutique en disant hey, ce serait pas mal si vous pouvez me changer la carte mère, s'il vous plaît, pour zéro. Et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, voilà. Sinon, pour les 8 arrivés avec Fixou, et Fixou d'ailleurs, nous, ce soir, on embarque sur le voyage Kubernetes. Sortez les avirons. Je suis au gouvernail, si je puis me permettre. Et on va essayer de découvrir ça. Voilà, voilou. Donc... Ok, les Artemis. Alors, pour être honnête avec vous, le vocabulaire de la navigation et de la voile, ça m'est totalement étranger. Mais alors, totalement. Résultat, Nemeto, ce que tu as dit, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Si ça se trouve, t'as assemblé des mots comme ça juste pour faire genre, mais j'en ai pas la moindre idée. Voilà, ça veut rien dire. Parfait. Nickel. Bon. Toujours est-il que, voilà, après mon petit laïus impétable, qu'est-ce qu'il disait le père Adrien, FireRollD permet donc de s'affranchir en effet des syntaxes. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une ref à Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Excellent, excellent film. Excellent film. Ce que j'étais en train de me dire, c'est que justement, j'aimerais bien revoir, non pas justement le Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre avec, avec Alain Chabat, mais le dessin animé d'origine, donc Astérix et Cléopâtre, avec en dessin animé, le bon vieux dessin animé de notre enfance. Bref, revenons à notre Kubernetes. Ouais, il était cool aussi. Il était cool aussi. Surtout avec la chanson, mince. La chanson avec le gâteau là, le pudding à l'arsenic. Voilà, le pudding à l'arsenic. Vous pouvez retrouver sur YouTube l'extrait. Il y en a pas mal. Il y a même des gens qui ont fait des reprises du pudding à l'arsenic. Enfin, elle est magnifique cette chanson. Bref, allez, revenons à nos moutons. Bien très facile, voilà. Je ne la chanterai pas pour éviter de me faire strike, que ce soit sur. Sur Twitch ou sur YouTube quand cette vidéo atteindra, atteindra les replays YouTube. Donc c'est pour ça que... donc il y a des existants, impétables. Oui, c'est ça, revenons à nos boutons. C'est pour ça que donc... ce qui se passe, c'est que Kubernetes, ayant quand même un certain existant, pour le moment, lorsqu'on utilise des briques réseau pour faire fonctionner Kubernetes, généralement on revient sur, sur IP tables. Une des choses qui m'ont fait me casser les dents sur Kubernetes les fois précédentes, c'était justement le firewall. Moi j'étais en mode non mais je voudrais bien tout firewaller moi-même, je voudrais avoir NF tables, je veux être dans le Turfus, ce genre de choses-là. Honnêtement, de ce que j'ai compris, vaut mieux laisser le truc faire sa sauce et prévoir plutôt du filtrage périmétrique. Donc, si vous avez envie de faire du cube directement sur Internet, pas forcément une bonne idée. Une distrib ayant déprécié IPTable ne peut pas accueillir Kubernetes. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. C'est peut-être un risque. Après, je sais qu'il existe différentes implémentations de la partie réseau pour Kubernetes. Je ne sais pas, par exemple, ce qu'a fait Red Hat avec, avec OKD et OpenShift. Alors, pour information, donc, Red Hat a une offre payante
qui est basé sur Kubernetes, qui s'appelle OpenShift, et qui permet donc de faire de l'orchestration de conteneurs, mais en environnement Red Hat. Et comme Red Hat, quand ils ont un produit payant, ils ont généralement un upstream open source. L'upstream open source s'appelle OKD. Je ne sais pas si OKD fonctionne avec de l'IPTable ou du NFTable. Mais avant d'essayer OKD, j'essaye d'abord Kubernetes Vanilla. Voilà. On ne met pas de swap. Bon, ça c'est autre chose. Il y a des histoires de ces groupes, il y a des paramètres. Alors, je ne saurais pas exactement vous expliquer exactement ce que ça fait. Normalement, on a installé les outils kubeadm, kubelet et kubectl sur tous les nodes. On l'a même installé sur les worker nodes, mais ça, c'est pas dramatique. Ce que je vais peut-être pouvoir faire, moi, puisque ça pourrait être marrant d'essayer d'administrer le cluster depuis mon PC de stream. Hop, sudo dnf search. Kubectl. Hop. Ouais, il y a kubectl. Après, il existe des distributions dédiées pour faire tourner du cube. Xenial dans le nom de dépôt, c'est pas Ubuntu. Si, alors, la semaine passée, on s'est rendu compte qu'en fait, le dépôt tel qu'il est précisé ici n'existe plus. C'est la première fois que j'ai un souci avec un tuto justement de chez Server World où il faut faire des adaptations soi-même. Ça m'est déjà arrivé, j'avais déroulé les premières étapes de ce tuto plusieurs fois, c'est ce qui m'a mis en confiance et m'a permis de dire, allez, cette fois-ci, on va vraiment refaire des streams sur Kubernetes, en plus j'avais envie de le faire. Et de pouvoir. Et en fait, on a vu la semaine dernière que chez Kubernetes, ils ont changé leur dépôt. Nous, on est passé aussi sur des versions un petit peu plus récentes, on va voir ça. Mais voilà. Voilà. Hop. Help. Tac. Il a un truc version? Ouais, version. Tac. Donc voilà, en plus là je suis sur un kubectl. Oui bah oui, ça c'est normal que c'est refuse. Moins short. Ouais, ok. Bah, mais c'est quoi cette blague? Le truc me dit, attention, faire kubectl version c'est deprecated. Et il va remplacer vers kubectl version moins moins short. Donc je fais kubectl version moins moins short et il me répond que c'est deprecated, que le flag est deprecated. Enfin les mecs, à un moment faut se. Et ils se renvoient la balle, c'est hey, je suis déprécié, hey, je suis déprécié, faut utiliser l'autre, hey, je suis déprécié, faut utiliser l'autre. C'est n'importe quoi. Client version 1.27.14 dispatcher. Ok, soit. Enfin, peut-être que j'installe un autre. Non, si j'ai pas installé une 1.28 moi là-dessus. Ce que je voudrais vérifier quand même, ici. Non, il dit que moins moins short, c'est le comportement par défaut. Ouais, mais il dit quand même que c'est déprécié, hein. Ouais, c'est ça, j'ai une version plus récente, vu que de toute façon je suis sur le dépôt officiel. Bon, on verra. Est-ce que j'ai bien fait le lien symbolique? Ah. Est-ce que ça je l'ai aussi? Non, c'est pas celui-là que je veux, c'est celui-là que je veux. Ok, celui-là, je l'ai. Hop. On va le faire tout de suite. Voilà. Faudra que je pense à le faire sur les autres. Et il faudra peut-être que je pense à.
potentiellement pour les VM d'après, peut-être que je les retrache et que je les repop et que je rajoute ça dans le Cloud Inc. Là, c'est un oubli de la dernière fois. Hop. Donc là, je l'ai fait sur un control node. Éventuellement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. .ssh, on a dit que c'était dans mes config.d et apart-stream. Tac. Et ce qu'on va faire, c'est on va aller faire ça sur un worker plant. Hop, worker 31. On va pas s'embêter pour le moment. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Tac. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Donc, maintenant que je suis sur mon HomeLab Control, on va commencer par configurer ce qu'on appelle le Control Plane. Alors, en gros, pour la faire simple, j'ai envie de dire que de la même façon que dans les produits d'orchestration de machines virtuelles, vous avez un vous avez des machines. Physique ou virtuelle d'ailleurs qui sont là pour justement être les têtes pensantes de votre cluster, et bien sur Kubernetes vous avez ce qu'on appelle des control planes qui sont là justement pour avoir la config du cluster et pouvoir dire qui fait quoi. Et ensuite vous avez les worker nodes qui sont vraiment là pour faire le taf, entre guillemets. Ils sont juste des exécutants de conteneurs. Mais ça ne veut pas dire que le control plane ne fait pas d'exécution de conteneurs. Enfin, bien sûr, il a ses conteneurs qui lui permettent de faire son job de control plane. Mais dans l'absolu, on pourrait avoir un cluster d'un seul nœud. Et le control plane est aussi un worker node. Et pour ces cas de figure-là, on a un truc assez simplifié qui existe, qui s'appelle Minikube. Je ne sais pas si on ne fera pas du Minikube à un moment pour essayer de s'amuser avec un peu. Mais dans l'immédiat, on va séparer quand même les rôles. Alors, le setup initial. Donc là, on va bootstrapper notre cluster. Hop, en utilisant un kubeadm init. Sauf que... Alors déjà d'une fois de route. Ensuite, on va un peu changer notre commande. Alors là, notre endpoint, il est plutôt. Contrôle 20, on dit. 10, 99, 99. Ok. Tac. Le pod network CIDR, on va le laisser pour l'instant comme ça. Et on va laisser... Alors, en gros, donc moi, mes machines, on les a mis dans un réseau qui est 10.99.99.0/24. Et ensuite, dans les conteneurs, il va y avoir des réseaux séparés. Et on lui attribue carrément un slash 16. Pour faire joujou avec les conteneurs. Il y a un truc qui s'appelle le CRI, qui est le Container Runtime, je sais plus quoi, si je me rappelle bien. Et en fait, ContainerD, c'est tout simplement un moyen d'exécuter des conteneurs. On peut voir, t'as pas 292 qui pourrait mettre le boxon. Non. Enfin, ah, si. Si, enfin si, mais... De toute façon, il y a un NAT entre. Comment dire ? Attendez, on va ressortir le schéma du HomeLab pour être certain qu'on va pas avoir de soucis. Ça peut être c'est un bon truc à vérifier, tiens. Je vais aller chercher le.
Homelab, non, c'est LabAscodeNG, tac. Doc. Toujours faire de la documentation. Toujours. Et quand on peut faire des schémas, ça peut être encore mieux. Allez, open existing. Bon, bah, en fait. Ah, bah, il a, hop. Je pense. Ouais, c'est ça, c'est celui-là. Hop. En gros, moi j'ai mon LAN qui est en 192, 168. Mais entre le routeur, enfin entre le réseau en 1099, il y a un NAT. Donc. On va voir à quel point ça peut mettre le bazar. Mais dans un premier temps, je vais rester sur leur truc par défaut. On verra si ça met le bazar et au pire on réinstallera le cluster. Je vais pas m'aider. Mais donc ouais, containerd, sinon c'est tout simplement l'outil qui permet d'exécuter les conteneurs. Alors j'ai cru voir que parfois ce genre de truc c'est quand même pris par défaut. Donc je préfère encore comment dire, j'ai aucune raison pour que mon cluster aille taper dans des machines sur mon LAN. Donc on va voir. Mais donc ouais, le containerd il exécute réellement les conteneurs en fait. C'est on pourrait comment dire, je ne sais pas si c'est possible de le faire, mais dans l'absolu, on pourrait très bien utiliser containerd en lieu et place de Podman ou Docker. Si on faisait, enfin, sur des trucs non Kubernetes. Je ne pense pas que ce soit recommandé, par exemple, d'utiliser Docker à la place de containerd dans du Kubernetes. Mais dans l'absolu, je suspecte que c'est une brique qui doit pouvoir être interchangeable. Mais je pense. Ne me... Comment dire, n'allez pas me citer là-dessus. Que dit sinon le... Hop, que dit le truc? Donc oui, effectivement, il va rechercher des images. Il va faire tout un tas de choses. Et normalement, à la fin, il va nous donner des trucs intéressants. Je vais quand même regarder... Ah non, si c'est bon, il avance. C'est sympa les emojis. La musique de fond est sympa. Alors la musique de fond, elle vient. Alors à une époque, j'utilisais Music for Streamers M4S et le changement de playlist date de il y a un petit moment. Maintenant j'utilise Streambeats by Harris Heller. Ouais, Streambeats, exactement. Et là, c'est l'album Groovy que je passe en boucle depuis quelques semaines déjà. Tiens, ils ont fait un pricing. Ou je suis pas sur le bon. Ça me surprend parce que... Ah, tu t'es fait strike? Sérieux? Début 2020... Ah, mercredi, mince. Mais là, je découvre que le truc est passé en subscription. Parce que, en fait, je regardais pas mal de vidéos donc de Senpai Gaming, donc de Harry Seller, qui. C'est dingue ça!
Est-ce que c'est le... En plus, le truc est à chaque fois download music for free, pas de... Alors, s'il a changé sa politique, ça m'embête un peu. Et depuis, tu mets plus de musique de fond. Bah ouais, je comprends. Ah, c'est streambits.tv. Ouais, ça revient au même, il a pris les noms de domaine. Mais c'est fou ça parce que avance. Enfin. Je suis assez surpris qu'il soit passé. Et surtout que, enfin, comment tu veux savoir? Enfin, tu mets ta playlist dans Spotify et ils te disent rien du tout? Surtout qu'en plus, enfin, à la limite, je peux vous montrer vaguement un petit peu le moi côté Spotify. On fait un petit. Ah, il a fini entre-temps, mais voilà. Là, vous voyez, moi, il y a bien écrit Number One Free Library of DMCA Free Music for Streams and YouTubers. Visit streambits.com for download links to every track. Écoute, de toute façon, j'ai démarré le stream avec la musique, je vais le finir avec la musique, mais je verrai bien si je me fais strike, mais. Mais voilà, le truc. Ou alors le bot YouTube était déjà dans mon viseur début 2024. Alors après, moi, a mis le coup de grâce. Alors, moi, ce que j'ai par contre, et on termine cet intermède et on revient après sur Kubernetes. Ce que j'ai par contre, c'est que Music for Streamer, M4S, il est entre guillemets flagué. C'est-à-dire que le bot YouTube me dit, au fait, je connais ces musiques, je les ai repérées, mais l'ayant droit laisse couler. Donc je sais pas si j'aurai pareil, on verra bien. Après ma chaîne n'est pas monétisée. Contrairement à la tienne, Adrien, donc je sais pas si ça joue. J'ai envie d'être optimiste et dire ma chaîne n'est pas encore monétisée, mais on verra bien. Moi, je serais toi, je mettrais le pudding à l'arsenic en musique de fond. Ce serait marrant. Ce serait marrant. Bien, alors. Donc, on revient sur notre cluster cube. Alors, pour le moment, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que maintenant, le control plane a été initialisé. Donc, si on revient au schéma, on a ce truc-là, le control plane, qui est actif. Mais pour l'instant, il ne fait pas grand-chose. Il a démarré ses services, ses conteneurs, et tout va bien. Enfin, tout va bien pour lui. En même temps, il est tout seul, il ne fait pas grand-chose. Donc ensuite, bah, comme c'est indiqué, il faut faire... Set cluster admin user, if you set common user as cluster admin, login with it and run sudo cphsh. Ah ouais, d'accord, ok. Donc en gros, ce que je peux faire, c'est aller à nouveau ici. Et si j'ai envie de faire ça, remarquez, on peut le garder en tant que route. Ouais. Donc, on va suivre les commandes, hein. On va essayer de pas trop dévier pour le moment. Hop. Et ensuite. Donc en fait, non, pas ça, hop, copier, voilà, et ensuite, bon ça de toute façon, on remarque dans le doute,
Et en fait, si on va regarder ce fichier-là, je vais passer sur un autre attaque. On va faire CTRL 20. Hop, ici. Non, pas ça. Hop, je vais faire un cat de etc kubernetes admin.conf. Alors, encore une fois, là, il va y avoir des trucs. Est-ce que de la home pour route peut être autre chose que slash root? Bah, si tu le changes, oui. Dans l'absolu, tu peux le changer. Je pense que ce serait. Je pense que ce serait. C'est malin, j'ai envie de tester sur une machine maintenant. Je sens qu'on va faire une liste des. On va faire une liste des bêtises comme ça à essayer, un de ces quatre. Donc, avant que j'affiche le contenu du admin.conf et que je salue Max, juste pour rappeler que tout ça, c'est du lab de test, que c'est normalement séparé de l'internet en direct, et que comme c'est du lab de test, je n'ai aucun problème à vous montrer des clés privées ou des trucs comme ça, sauf quelques rares cas de figure. Parce que de toute façon, c'est du test et que ça n'aura pas d'impact. Je ne vais pas utiliser le truc pour de la prod même personnelle. Et si jamais c'était le cas, je referais un autre truc à côté avec des valeurs différentes. Donc, là-dessus, on a oula, plein de choses. Donc, on va faire un less. Et là, vous voyez, on a un authority data, certificate authority data. On a quoi? Texte, on a des trucs avec des users. Donc, je sais pas si c'est de la clé privée, de la clé publique. Le truc, c'est du base 64 en veux-tu en voilà. Mais dans l'absolu, tout ça, ça permet quand même de s'authentifier sur le cluster hein, avec des droits admin. Hop. Et un truc que je voulais vous montrer aussi, c'est que on a un truc qui écoute hein, sur le port 6443 sur notre control plane. Maintenant. Hop, maintenant, je peux dire bonjour à Max, hein, tu viens d'avoir la pire pub. Je suis curieux de savoir quelle pub tu as eu. Non, Gillette, comment on voit quelle vitesse? Hello, est-ce que l'URL du tuto... Oui, effectivement, je vais aller la poster sur le Discord aussi, tiens, dans les... Merci de l'avoir remis, hop, Adrien. Je vais la poster tout de suite sur le Discord, dans les liens du live. Tac. Et je vais aussi rajouter. On n'avait pas un lien Wikipédia aussi tout à l'heure? Je remonte. Voilà, Wikipédia virtualisation, qui a des jolis schémas bien sympas. Tac. Parfait. Hop là. C'est vrai que c'est un truc que j'ai arrêté de faire, de poster les liens dans. Faudrait que je monte un bot pour ça, un de ces quatre, mais j'ai pas le temps. Donc, maintenant qu'on a fait ça, il nous parle de configurer le pod network avec Calico. Donc Calico, c'est la brique qui va nous permettre justement d'avoir du réseau dans notre cluster. Et en fait, il nous fait aller télécharger en fait un manifeste. Hop, on va aller regarder ce qu'il y a dedans quand même. C'était la pub Gillette pour entretenir. Ah! Ouais. Ouais, je vois. Ok. Ok. Ça va, je l'ai pas trop souvent celle-là. J'ai. Oh! Allez, je vais le faire. YouTube, Amazon, Twitch, ou quelconque autre régie publicitaire. Arrêtez avec la pub Carglass. J'ai pas de voiture. Voilà, c'est dit, je l'annonce, je n'ai pas de voiture. La pub Carglass, c'est de l'argent jeté par les fenêtres de mon côté. Voilà. Un impact. T'es pas croyable, Adrien, t'es pas croyable. C'est pas croyable. Donc en fait,
Ce truc là, donc comme c'est indiqué, ce manifeste crée disruption budget for controller. Tout allô, ok. Bon, en gros, le principe c'est que tout ça en fait c'est un fichier de définition qui va permettre de déployer la brique Calico pour pouvoir faire du réseau dans notre cluster Kubernetes. Le tuto utilise Calico, il existe d'autres briques, mais on va rester avec Calico. Et pour appliquer le manifeste, on fait un kubectl apply-f. Hop. Et il me dit que la connexion a été refusée. Ça commence bien. On va la refaire. Alors que la pub, pour Gillette, celle-là, ça vaudrait le coup, pas besoin de réponse. Parce que déjà, ce truc-là existe toujours. Est-ce qu'il n'est pas tombé entre-temps? Ah, pas de LSOF. Allez, install LSOF. Je vous avais dit que j'avais fait trois fois ce tuto, que ça marchait avant. Enfin voilà, il m'a sorti le truc. Je suis bien sur la même machine, là je suis dans un autre shell. Et je n'ai rien qui écoute sur le port... C'est quoi cette blague? Il m'a balancé des erreurs ou pas? Donc, avant d'aller faire un kubectl get pod, tac tac tac. Je vois pas d'erreur hein, pour le moment. Ça peut mettre jusqu'à 4 minutes. Skipping phase, please. Nanana. Your Kubernetes control plane has initialized successfully. Donc là, on est d'accord, il dit que c'est bon. Hein? Il dit que c'est bon. Tac, tac, tac. Et effectivement, a priori, il se plaint pas du tout. Donc, systemctl, status, effectivement, kubelet. Il tourne. Il tourne. Unable to update node status. Error updating node status. Non. Donc il dit ça. Donc en fait il se. C'est pas possible ça, mais j'ai la choumoune avec. Avec Kubernetes. Je. Container D. Oh my god, oh my god. Alors, tu devrais avoir un pod dans CRICTLPS. CRICTLPS. Oh, les erreurs. Runtime connect using default endpoints. Alors, attends, ça veut dire que lorsqu'il m'a dit de faire ça pour le socket,
Ça, c'était pas bon non plus. Ça, c'était pas bon non plus. Je pense. Container D.soc. Alors. Ah oui, c'est pas forcément des slash run slash container d slash container d.soc. Ok. Alors, on est var run CRI Docker D plutôt? Non. Image connect using default. Pourquoi il y a du Docker Shima? Alors, le tuto utilisait une 1.26, moi je suis un 1.28, est-ce que ça pourrait pas jouer? Il y a 3 semaines, je t'avais passé une configuration container D pour une sorte de ces groupes. Tu l'as fait ou pas? Je crois qu'on avait vu qu'elle n'était pas nécessaire, non? Tu vas me dire qu'il a pas fini de taper? Il a mis 3. Attendez, j'ai relancé Kubelet. J'ai fait quoi? J'ai relancé Kubelet. Ok. Bon, on va retenter, non? Ouais, il vient d'apparaître. Si ça se trouve, il a mis 3 plombes à venir. On va la retenter, hein. Ouais, là, ça passe. Donc, si ça se trouve, il fallait attendre que le cube API arrive. Ok. Ok. Faudra que je regarde si c'est une question de ressources. Mais la bécane n'avait pas l'air d'être à genoux non plus. Maintenant, on peut faire un kubectl get nodes. Donc là, il n'est pas ready et ça fait 20 minutes. Salut Azram, ouais, le retour du trike à vitesse, ça commence encore très bien. Je vais finir par croire que je suis maudit en fait. Pending, ok. Et en termes de load, la machine fait pas grand chose. Donc c'est quoi? Faut encore que j'attende 3 plombes? Ah, ça y est, il est ready. C'est peut-être moi qui suis impatient.
Donc déjà, salut Avram, ça faisait longtemps, ça me fait plaisir que tu sois là. Petit coucou à toi Manon aussi, c'est gentil. Merci en tout cas de faire un petit coucou et bon appétit de fête. Et un cube c'était le gâteau de Monza. Ouais, je l'ai fait tout à l'heure. Hop, je l'ai fait à l'instant. Il est là. Container creating. Calico cube controller. Ah, j'ai un cube proxy qui est en crash loop backoff. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Si je fais un get pod moins A et que je fais un moins. Attends, il n'y a pas le describe là-dedans? Pod. Ah, ça y est, kube proxy running. 1 sur 1. Ok. C'est ça, logs ou describe. Ah, moins n cube system, ouais, effectivement. J'avais pas fait au... attention au... au moins n. Alors. Ok, c'est juste qu'il prend son temps en fait. Il prend son temps. Donc là maintenant, on a tous les pods qui sont running. Donc normalement, si je refais un kubectl get nodes, bah, de toute façon, il était ready tout à l'heure, mais voilà. Donc il a juste pris son temps en fait. Alors, je ne sais pas si j'avais eu raison de redémarrer le kubelet. On verra avec le reste. Donc ça déjà, on a notre control plane. Ça, c'est une chose. Maintenant, on va rajouter un worker node. On va rajouter un worker node. Alors, on va aller sur, hop, et on a dit worker 30. Hop. Et là maintenant, il va falloir faire un kubedm join machin. Et là, vous dites, mais il y a des histoires de tokens, des trucs. Où est-ce qu'on les a? Bah, on les a eu. On les a eu ici. Alors, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit copy. Et je vais me poser ça quelque part ailleurs. Peut-être pas ici. Dedans et on va faire cube ADM join hop.txt. Comme ça on se le garde sous le coude. On sait jamais, ça peut servir. Pas de soucis Manon, c'est très gentil d'être passé en tout cas et bonne soirée à toi aussi et à bientôt j'espère. Alors, donc maintenant qu'on est là en tant que root, on va lancer notre cube ADM join. Donc là normalement notre commande, le principe c'est que en plus, vous voyez, elle est déjà prête. On a l'adresse IP de notre control plane. On a des tokens d'authentification. Hop. Et ce qu'on peut peut-être faire pendant ce temps, c'est qu'on peut faire ça. On peut faire un watch moins zen 10. Hop. C'est une blague. C'est une blague! Le truc marchait il y a 2 minutes, quoi. Donc là, il va se gaufrer en fait. C'est pas possible, ça, je dois être maudit. Me fait un crash loop backup. Non mais c'est pas possible. Enfin,
Pas de soucis, Adrien. À tout à l'heure pour le raid. C'est gentil d'être passé, comme toujours. J'ai mis 2 gigs de RAM. Je sais pas si c'est suffisant. Bon, y a qu'un vCPU. Hein. Ah non, j'en ai mis 2. Ok. Donc là, de toute façon, en face, voilà, il s'est viandé parce qu'il arrive pas à atteindre. Si je refais un LSOF, de toute façon. Si j'ai un listen, j'ai mon cube API serveur qui tourne. J'ai un truc qui répond. Tu devrais pouvoir trouver les logs de API serveur du pod précédent avec un log API serveur. Alors, hop, on va tenter. Tac. Logs API serveur moins last. Tac. C'est pas ça que j'ai tapé. Bah, de toute façon, la connexion est refusée, donc ça passera pas. Et si je retente un describe... Oh punaise, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ouais, mais là, de toute façon, la connexion est même... Si je refais un LSOF, en fait, voilà, il écoute plus. Il n'y a plus rien. Ouais, non, mais c'est complètement dingue. Unable to update notre status. Connection refused. TRICTL, voyons voir ça. Hop. On l'avait fait tout à l'heure. PS. Mais j'ai toujours ces erreurs-là. C'est quand même bizarre, ça doit être ça. Remarque ça, non, ça c'est un warning, mais ça c'est des erreurs, les validate service connection. Je vais les. C'est peut-être lié. Il y a du monde. Hein.
Alors, 65% que c'est la conf de container D. Ouais. Alors. Qu'est-ce que... Bah non, il va... Attends, je vais pas... J'ai absolument pas la même syntaxe que ce qui était affiché de toute façon. Je vais vérifier peut-être mon histoire de ces groupes parce qu'effectivement, alors qu'est-ce que j'ai fait de on est d'accord qu'à la base, qu'est-ce que j'avais mis sur le j'avais bien fait un système unified ces groupes hiérarchie. 0. Donc normalement, si je reviens ici, ouais, hein, ETC. Wait, wait, wait. Attendez, 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 attendez. Il était pas censé m'avoir fait ça. Dans le console blank égale 0. Et il me l'a pas fait. Il me l'a pas fait, c'est pour ça. C'est pour ça que ça se gaufre. Je vais le faire à la main et on va voir ensuite s'il faut pas que je crache et que je recrée toutes mes VM. Là maintenant, donc il me l'a pas fait dans il me l'a pas fait dans le cloud init, mais il me l'a fait dans ok, je suis devant une belle blague. Bon, déjà, j'avais oublié, mais salut cool geek hein, quand même. Donc, effectivement. C'était l'histoire de ces groupes. Salut Yoda! C'était l'histoire de ces groupes parce que la modif n'avait pas été appliquée. Donc pour le coup, c'est quand même 100% de la config de la machine. Et c'est pas une. Ça peut-être, ça aussi t'as été dedans. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Cloud Init, il a pas fait son job? Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que déjà, même ça, tu vois, ça, on lui avait dit. On lui avait dit à Cloud Init, il me l'a pas fait non plus. Je peux pas faire confiance à Cloud Init.
On voit le TED se lancer dans les logs, pas d'erreur. On va aller vérifier les logs de Cloud Inc, effectivement. On peut aller vérifier là-dessus. Tiens, allez, va log cloud. Ah oui, non, c'est hop. Cloud Inc output. Non, j'ai rien du tout. Si je vais chercher Grub, est-ce qu'il n'a pas balancé une erreur? Non, ça c'est dur. Hein. J'avais dû l'échapper à une époque pour une raison probablement. C'est une bonne question. Bon, déjà, ce qu'on va faire, c'est ça. Hop. Et on va tenter. Il hein, n'y a pas de verbose sur le set. Non, là, le set n'était pas verbose. Avec Cloud Inc, moins un truc. Alors, bonne question. Quel truc, ça va être la question. Mais on peut peut-être tenter de rajouter un... où est-ce qu'on pourrait le mettre hein, où est-ce qu'on pourrait le mettre Est-ce que dans Cloud Inc, le write file, il peut pas faire un append? Ou alors tu fais un écho deux fois supérieur. Référence. Tac tac tac. Parce que je vais pas réécrire. Je vais quand même pas réécrire tout le fichier, ce serait quand même dommage. Ça c'est des clés, mais c'est pas ça qui m'intéressait. Il n'y a pas un truc avec les... le documentation, référence, module, voilà, hop, module write files, alors, summary. Config schéma, past content owner permission encoding append. Bon bah voilà, donc il y a un append. Les autres commandes sont lancées. Alors, oups là. Bonne question. Les autres commandes. Alors, est-ce que le overlay et le BRNet filter sont bien lancés? LS mode grep overlay. Ouais, ça je l'ai. On a dit BR, BRNet filter, ça c'est bon. Et normalement, normalement, pour l'update alternative, je sais plus s'il y a un, si je fais un update alternative. Moins display, c'est IP table. Il est en legacy. Elle est sautée, c'est bon. Hop. Et après, native. Ah, attends, il est en IP table NFT. C'est quoi cette blague encore? Attends, c'est quand même dingue parce que là, il m'attend. Ah non, il m'a mis priorité 20.
va voir le résultat, hein. Ah, je vous jure. Claudine Status. Disable. Ouais, bah oui, normal, c'est pas son premier démarrage. Donc, une logique qui soit disable. Le run CMD, Echo, Benny, Echo and run CMD. Tu cherches à faire quoi, Yoda, là? À avoir des logs. Ouais, mais... Il a fait toutes les étapes, sinon le bloc run CMD. Ouais, mais alors j'ai l'impression que le run CMD. Bah, pourtant il a l'air d'avoir fait les overlays ou BR Net Filter, mais après. Non, en même temps, c'est pas garanti qu'il les ait fait. Parce que de toute façon, j'ai le module loads. Donc après, s'il les a pas lancés, c'est pas dramatique. Donc à la limite, on pourrait à la limite les enlever. C'est pas. Je vais même d'ailleurs les dégager. Même le 6CTL système. Non, même le LN, il est pas fait, c'est pour te dire. On l'a remarqué en début de live. Alors déjà, etc, hop, default, grub. On a dit append ou content. Déjà, on va essayer d'être un peu... Ouais, c'est suspect, je suis complètement d'accord. D'où la raison pour laquelle j'ai enlevé mes lunettes et j'ai un peu fait facepalm au ralenti. Hop. Tac. Et on avait dit qu'il fallait rajouter... C'était quoi cette option? De toute façon, on va la remettre. Allez. Tac. Hop là, je suis là. Hop. Et j'avais oublié que c'était... Déjà ça ça c'est fait, sachant qu'ensuite il y a quand même l'update alternatif qui n'est pas fait non plus. Alors la question c'est le run CMD, il est lancé quand? Non, ça c'est le write files, c'est le run... Il est où le run CMD? Run CMD, hop. Grub plus égale ou un espace en début de... Ah d'accord, hop là.
Hop. Run CMD, un exemple. Ouais, ok, donc a priori. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un. On va faire ça, comme ça au moins on aura du verbeux. Alors, en théorie, à la fin, il y a ça, hein, il y a le final message. Mais on peut peut-être faire un petit écho à la con, effectivement. Et on va trasher et recréer la VM. On va trasher. Laquelle on va trasher? Juste pour le principe, on peut pas trasher contrôle 20 tout de suite, même s'il faudra la faire à mon avis. Hop, on va aller. Allez, la 25. Comme ça au moins. Allez. Paf. À plus de 25. Donc normalement, si je reviens. Si je reviens ici. Wow, pourquoi il y en a autant? Parce que j'en ai envie. Et parce que j'ai les ressources. Alors. Paf, paf, paf. Terraform. Éventuellement, juste pour le. Ouais, non, c'est du tech. Donc là, il me dit 18 à ajouter. Qu'est-ce qu'il m'ajoute? Homelab contrôle 25. Tac, tac, tac. C'est bien la machine. Node 9, normal. Pas Umlab Node. Si tu veux, à la limite. Tant qu'il me fait les. De toute façon, les Fedora, je les ai déjà désingués. Contrôle 1, contrôle 2. Oui, bah oui, forcément, il va me faire refaire les Cloud Init. Mais il va pas redémarrer les VM, donc c'est pas grave. On va faire un apply. Allez. Comment ça? De quoi CMD Line? Où ça Yoda? Plus haut. Ah, dans l'output de Terraform. Attends, je vais remonter au début. Ouais, mais du coup, il me fait les diffs de tous en fait. Contrôle, Homelab contrôle. Ouais, bon, ça, du coup, c'est le contrôle 20. Non, mais c'est ce qu'on attendait. Ah, il m'a fait une erreur. Target HDD, besoin qu'il existe. Tu me la refais là? Je peux faire un refresh. Si ça passe.
n'a pas dézingué les... Celles-là, elles sont toujours là, ok. Non, pas mettre là, je vais mettre là. Il a pas viré le 7, non? Ou c'était l'ancien? C'était l'ancien en fait, il a fait un diff. Ok, il a apply. À la limite, ce que je vais faire, c'est juste mes nodes ici, je vais les remettre à 0. Hop. Tac. Histoire de ne pas s'embêter avec les machines Fedora. Voilà, ils sont toutes destroyés normalement. Comme ça, je me casse pas la tête. Voilà. Il m'a fait une belle erreur, hein. Et du coup, il me balance une erreur à l'installation du noyau, de la mise à jour noyau. On la revoit ici. Quel fichier? Default Grub? Il ressemble à ça. Alors, est-ce que ce serait égal plus au lieu de plus égal? Là, pour le coup, je te fais confiance, hein, la syntaxe, je l'ai pas en tête. Je ne l'ai pas en tête. Je vais vérifier, tiens, le update alternative. Ah, là, il est passé en legacy. Là, on est bon, il est passé en legacy. La syntaxe est bonne en bash. Ok. Ouais, mais est-ce que c'est du bash qui passe? Update grub, je sais pas à quel point il est... Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme modif? Est-ce que notre USRlib CNI, il existe maintenant? Ouais, il existe. Oui, non, mais je te fais confiance, Yoda. Hein, tu refais le upgrade. Bonne question. Hop. Ça, c'est une... Remanon. Et puis on va peut-être pas tarder à s'arrêter en plus. On va se donner une dizaine de minutes. Bah écoute, comment ça va? Tu sais, je suis maudit avec Kubernetes, il y a toujours des trucs qui cassent en fait. Donc on continue la malédiction. Tiens, je vais vérifier si le YOLO est dans le...
var log cloudinit output YOLO is here. Donc là, là, cette commande-là, elle a été exécutée. Pas de soucis, Nemeto, merci d'être passé, merci beaucoup pour ton aide et bon appétit, bien entendu. Hop. Comment ça Attends, qu'est-ce que tu me fais? J'ai fait un less de ce truc-là, ouais. Si je fais un slash YOLO, il me l'a pas fait, ok. Est-ce qu'il y a des trucs sur l'update grub? Ouais, toujours à la ligne 13, il me fait un autre found à chaque fois. Donc, éventuellement, ce que je peux peut-être faire, c'est peut-être reprendre mon sed, en fait. Et peut-être enlever les... Alors. Ouais. Hop. Cool. Diff, voilà, tac, je l'avais ici. Hop. Alors, par contre, on va le modifier légèrement. Si on n'a pas besoin de d'échapper les. C'est peut-être ça qui a posé problème sur le sed. Hein. Et d'ailleurs. Hop. Et on va pouvoir retirer ça. Allez, on va cracher la VM et on recommence. Et après, on s'arrêtera là pour ce soir. Bon, j'espérais que ça se passe un peu mieux. Ce Kubernetes, mais bon. Je veux pas test avant. Trop tard. Trop tard. J'aurais pu, mais bon. Pas diff. Remarque, je vais même pas regarder mon plan, mais contrôle, ouais, c'est bon, allez. Hop, embarquer. Emballer, c'est pesé. Allez, fonce. J'hésitais à refaire un labase code aujourd'hui, en fait, en me disant, ça se trouve, j'ai peut-être d'autres choses à vérifier, mais je me disais, ouais, non, ça doit être bon, allez, on va enchaîner sur Kubernetes, moi, j'ai envie de faire du cube. Et j'aurais peut-être dû calmer mes ardeurs. Ah, bah, de toute façon, il est en train de me flouder. La sortie. Ah bah tiens, il est en train d'unpacker un noyau Linux. Donc on va vite voir. Il n'y a pas eu d'erreur. Donc soit j'ai pas eu de etc default grub. Tac tac tac. Pour l'instant, il m'a pas fait la modif. Pour l'instant. Et si je fais un sudo moins i, j'ai une bonne blague pour clôturer la... Vas-y, Manon, j'ai besoin de rire. Je l'ai pas encore, le grep YOLO. Je sais plus si je l'ai viré ou pas. Ah tiens, il m'avait fait un... C'est bizarre, ça. Ok. S'il m'a pas fait YOLO, ça veut dire qu'il a pas encore run les commandes, donc c'est peut-être logique.
Et hop. Ah, il vient de faire le... Ouais, bon. Hop, voilà, le système va rebooter, ok. Allez, vas-y, reboot. Alors, vous connaissez le pays préféré des informaticiens. C'est Haïti. Égal Haïti. Oh, pas mal. Pas mal, Manon, merci. Oh, merci, elle est mignonne, celle-là. Elle est mignonne, celle-là. Merci beaucoup, Manon. Ah, oh, c'est joli. J'aime beaucoup. Elle me redonne un peu le sourire. J'en avais bien besoin. Merci, Manon. Allez, vas-y. Hop. What? Non, le cède passe pas. Le cède ne passe pas. Et je parie que si je l'écris textuellement, il va passer. Ah, attends. Pourquoi il me... Mais non, mais ça marche d'habitude, cède. Et mettre toute la commande dans des côtes. Ouais, ça peut être une idée. Pourquoi est-ce qu'il me... Alors déjà, hop. Je vais tester. Et pourquoi il me... Ah, il me... Effectivement, je vais finir par croire qu'il y a un truc qu'il aime pas. Le CED passe pourtant. Il passe dans le... CED moins I moins E. Alors, je veux bien le mettre avec des côtes, des doubles côtes. Hein. Ah, directement dans les... Ouais. Mais attends, la doc, elle dit quoi dans le module de référence? Il met pas de code dans le module de référence. Enfin, si, il en met, mais genre ici. Ouais, bon, allez. Je teste pour où j'en suis. Mais non, pas simple, je veux des doubles. Ah. Tac. Il me l'a fait, ça, le SRLibCNI. Non, il me l'a pas fait. Mais il m'avait fait le... il m'avait fait l'update alternatif, je crois. Ah non, il me l'a pas fait non plus. Si je relance la commande. Ok. C'est bien, j'aurais juré qu'il me l'avait fait pourtant. C'est chelou cette affaire. Écoutez, je vais pas faire de modif là plus en avant. Je pense que je vais réfléchir. Je sais pas ce que je vais faire, mais là honnêtement, ça devient un peu le bazar. Ça devient un peu le bazar. Je vous avoue que là, je suis un peu embêté. Je pensais pas que j'aurais des difficultés avec un run CMD dans Cloud Init. Enfin, quand on regarde le temps qu'on vient de passer dessus, c'est quand même assez fou.
J'ai fait je sais pas combien de runs CMD dans les Cloud Init qui passaient. Donc ça me... De toute façon, je pense qu'il est temps que je fasse une pause dans l'absolu. Sinon, t'as une solution, c'est de faire avec la méthode officielle. Bah, de le faire à la main, c'est une chose, ouais. C'est une chose, mais l'idée, c'est comme je veux quand même en faire un certain nombre d'affilés, ça m'embête un peu. Mais ouais, je sais plus c'était quoi la méthode officielle, tu voulais le... Ah, la conf de containerd à la place du grub. Il y aurait moyen que tu me la pastes quelque part, je vais pas l'oublier. Donc, pas dans le chat ici. Mais il n'y a pas de souci, Manon. Bonne soirée à toi aussi. Ah, il t'en va, mémoire morte? Ah, dommage, s'il a fini son live. Mais le truc, c'est que ça veut dire qu'il faut installer. Ouais, remarque, tu me diras, j'installe containerd dans le. Je l'installe de toute façon dans le Cloud Init, donc ouais, effectivement. Mais c'est quand même dingue parce que j'avais fait des essais hors live il y a de ça un petit moment et ça fonctionnait quoi. Je vais finir par croire que dès que j'arrive de près ou de loin à du Kubernetes, en fait, le truc. Allez, je vais mettre ça dans les liens du live pour le. Pour pas le perdre, sinon je vais le paumer. Ouais, les jeux de Kubernetes. Non, mais là je vais finir par croire qu'en fait je suis maudit tout simplement. Enfin, il doit y avoir un truc, je sais pas. Moi, je vais aller voir un marabout, c'est possible là. À un moment, enfin voilà, run CMD quoi. Enfin, c'est bref, je vais pas m'énerver en live, ça servira à rien. C'est pas le but, je vais essayer d'être positif, je vais essayer de, voilà, de progresser, il doit y avoir un truc, hein. Je sais pas, il doit y avoir une subtilité qu'on n'a pas, mais bon, bref. Sur ces bonnes paroles, bon bah comme d'habitude, alors, enfin comme d'habitude, non, on se retrouve pas exactement tous les dimanches. Ouais, un marabout, ah j'aime beaucoup, bravo. Merci Manon, c'est... Je pourrais, comment dire, je pourrais rage quit et passer ma soirée à ruminer ça, mais rien qu'avec tes blagues, ça me rend tout de suite plus léger, donc merci. Oui, donc habituellement, je live les dimanches de à peu près 18h à peu près 20h, et il se trouve qu'il n'y aura pas de live donc la semaine prochaine, je l'avais prévenu la semaine dernière, mais je vous le rappelle au cas où, donc pas de live dimanche prochain. Si vous voulez voir, les replays sont généralement sur Twitch pendant 2 semaines. Je continue de cravacher sur les vieilles VOD qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez avoir les liens de la chaîne YouTube grâce à hop, ma page perso anotherhomepage.org sur laquelle vous allez retrouver non seulement la chaîne YouTube mais aussi les réseaux sociaux. Je pense à mince, Mastodon. Je pense aussi à Instagram, mais à Blue Sky et X. Salut Cyril, c'est gentil de nous faire un petit coucou juste avant la fin. Puisqu'on va pas tarder à y aller. D'ailleurs, on va lancer le raid vers l'ami Adrien de Linuxtrix. Comme d'habitude, je vous souhaite. Une bonne soirée. Moi je dis que s'il faut l'option, elle n'est pas dans ton kernel déprécatif, mais c'est une théorie. Non, mais là c'est vraiment une histoire de l'activer au niveau de Cloud Init. Enfin, c'est vraiment le. Mais merci pour le soutien, Cyril. C'est très gentil à toi. Je vous remercie en tout cas de votre aide à toutes et à tous. Arrivé trop tard pour le duo comique avec Manon. C'est pas grave, Cyril, hein, il y a le replay si jamais t'as envie de voir. Donc, bonne semaine à toutes et à tous, bonne soirée avant. Merci encore pour votre aide. Je pense effectivement à Memento, à Max, à Yoda en particulier. J'espère vous revoir dans 2 semaines. On essaiera de continuer cette histoire-là.
et de voir si ça, si ça veut bien fonctionner. Et puis bah, peut-être que au bout de 4 ou 5 lives, si ça marche toujours pas, j'abandonnerai à nouveau. Mais j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Voili, voilou. Allez faire un coucou à Adrien de ma part. On va lancer le raid. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. Et à dans 2 semaines. Ciao, ciao.